Et c'est le mode, c'est Fenrir. On est parti pour la suite de Monster Hunter Rise. Vu que je branche mon casque. On est sur la deuxième quête clé. J'ai validé une quête clé bon, sans faire exprès, mais bon, c'était le Rajang, donc bon. On connaît déjà, on l'a déjà fait. Et donc là, on est sur la deuxième quête clé. Qui sera la Birds and Girls. Donc ça rame. Voilà. Et la bézégueuse. Donc Ah, personne, je suis en train d'apparaître. Le mec venait juste devant sa quête peut-être, je pense. Ah, il doit être dans la tente, je pense. Donc il nous reste à buter bézégueuse et on aura donc avancé dans le scénario. On aura la quête clé. Par contre, c'est vrai que je vois les chiffres qui sont beaucoup plus importants que les derniers dégâts que je fais, mais j'ai pas l'impression de faire tant de. Enfin, c'est vrai que comme c'est des sacs à PV, les mobs en mètres, et que quand tu frappes, bah, t'as pas l'impression de faire autant de dégâts en fait. Comme il n'y a pas d'animation, comme quoi le mob il rebondit, machin, chaque coup est pas décisif, entre guillemets, quoi. Donc c'est vrai que ça fait toujours bizarre de voir. Les chiffres qui passent de 30, 10 à d'un coup 250. Le mec derrière n'y a pas de. Hop. Ah merde! J'ai pas eu mon point de vie tomber. J'ai pas eu mon point. Par contre, il est où le mec en rouge là? Il est planqué dans. Je suis sûr qu'il est planqué à l'attente, il va attendre que la quête se fasse tout seul. Par contre, je vais prendre mon chien. Ça en fait, tu vas attendre qu'on fasse la quête à sa place, quoi. Mon truc qui est cool, au moins, c'est qu'on pourra récupérer des morceaux de Bézégus pour améliorer nos armes si on a besoin. Quand tu vois toi des 305 et tout, tu vois, c'est stop. Mais... you
Nice. Ça. Je suis full life. Alors en fait le Mouna va vraiment attendre qu'on finisse sa quête quoi. Thank you.
Ah, elle était trop loin, c'est Oshleg.
Et on a réussi. C'était short quand même, hein. Putain. Mais je suis mort comme un con deux fois. Hein. Avec le décalage des serveurs, c'est malheureusement avec la connexion que j'ai, ça bug pas mal quoi. Ne m'oblige pas à me répéter. Elle a tellement peur d'apparaître à la caméra qu'elle reste debout dans le couloir. Mais c'est eux quoi. Quelle vie, Emmanuel. Mais quelle vie, Emmanuel. N'est-ce pas? Vous pouvez répondre. Hein. On vous entend glousser donc. Parlez à la princesse. Chérie? Ah mais d'accord, mais j'ai déjà fait, moi je suis gros mec là. Et merde, faut que je me retape. Là, j'ai déjà fait plusieurs fois parce que j'ai déjà l'armure. En faisant les quêtes aléatoires, je suis tombé sur le mec qui a fait plusieurs fois sur des mecs qui le faisaient. Je pensais pas que ça aurait été la quête annexe quoi. La quête d'urgente. Vers Bézégueuse, l'armure, ok. Prophète, donc ça sert à Jang Master. Phileas, donc le Shagomaga. Malzeno, c'est que j'ai actuellement sur moi. Méduse, ça c'était Ostra. Damascus, la Diablos et la Sergius. Ça, ça fait un petit moment qu'ils sont dessus. Ah, attends, on va regarder comme la quête. Est-ce qu'ils ont. Personne n'est mort, ça c'est cool. On a les 3 vies. Alors ça va aller parce que c'est comme le Gormagala, il est assez facile à gérer quand on connaît les patterns.
Donc un peu là, il y a des colonnes de poison au sol, voilà. Le poison de ténèbres. Oh, je lui prends une gueule. Ah non. Oh putain, ça l'a éloigné quand elle a activé son pouvoir. Chier. Source, hein, c'est toujours faire pour autre chose. Ah bah là, il est déjà à la fin. Boom, bitch. Comme ça, moi, ça va pas traîner.
Ah, c'est mythique. Avec Etia quoi. Donc, il faut que j'en fasse deux. Nous avons un Théostra. Un Théostra, un Kushadora, ouais. Tiens, mais tu vois, c'est pas mal. Je pourrais augmenter mon arme déjà. C'est pas mal du tout. Bon, bah les gars, on va couper là. Mais moi, on fera la suite dans la prochaine vidéo. On essaie de faire la dernière quête et la dernière quête clé et le passage. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde. Peace. Surtout partagez, likez et oubliez.